Monsieur fidèle téléspectateur des Canal Congo Télévision, merci de votre fidélité à cette émission. On se retrouve encore une fois de plus pour décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous ce jour Monsieur Évariste Tshiswaka. Évariste Tshiswaka est cadre du parti politique Orange, le parti cher à Fillou Ndondo Boni. Monsieur Évariste Tshiswaka, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Maxime, je salue aussi les téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce net moment. Je salue aussi particulièrement le président de mon parti, le président Fillou Ndondo Boni, qui est candidat aux élections des sénateurs pour la ville de Kinshasa. Je pense que nous allons Il est mouiller les maillots. candidat à l'élection du sénateur. Oui, nous allons mouiller les maillots pour qu'il puisse avoir un siège au niveau du Sénat. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'aujourd'hui, avec ces différentes alertes de la CENI, des structures de lutte contre la corruption, des cas de corruption répertoriés ci et là par rapport à ces élections, est-ce que Fillou Ndondo Boni se positionne déjà face à ces différents problèmes? Je dis qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de corrompre pour être élu. Fillou, c'est un monsieur Par intelligent, rapport à son projet, par compétent, rapport à sa fidèle, vision. voilà. Il est fidèle dans sa lutte politique. Il n'a pas été dans la transhumance. Et je pense qu'il est capable, et nous sommes capables, de convaincre les élus provinciaux Le de parti Orange Kinshasa. a quelques députés provinciaux pour avoir la certitude de son élection. Le parti Orange n'a pas de députés provinciaux au niveau de la ville de Kinshasa, Oui. mais nous sommes dans la grande famille de l'Union sacrée et nous croyons qu'au sein de l'Union sacrée, la candidature du président Fillou va passer parce que c'est un homme capable. Il faut être très pragmatique hein, par rapport aux enjeux de leur République démocratique du Congo. Les députés provinciaux de parti X ou Y, est-ce qu'ils voteront en faveur de Fillou Ndondo Boni au-delà de sa vision ou de sa politique avantageuse pour notre Sénat? Écoutez Maxime, il ne faut pas que le député ou bien le député de différents partis puisse voter par rapport uniquement au mot d'ordre. Mais je pense qu'il doit voter par rapport à la compétitivité, par rapport à la compétence, par rapport à la qualité. Nous avons besoin d'un Sénat de qualité. Et je ne pense pas que les députés provinciaux vont se mettre à suivre le mot d'ordre pour faire passer n'importe qui. Il y a des candidats valables, compétents, qui ont la capacité de bien jouer ce rôle au niveau du Sénat, à l'exemple de Fillou Ndondo Boni. Et vous allez voir la preuve qu'il sera voté sans que nous ayons, nous, le Parti Orange, sans que nous ayons un député provincial. Mais Fillou Ndondo Boni va passer Donc sans corrompre. vous avez déjà des assurances de l'élection de Fillou Ndondo Boni. Parce qu'il inspire confiance. Vous savez, nous sommes en train de faire ce travail, contacter les députés, parler aux députés. Et Par rapport à votre projet, et voilà. non contacter, échanger des députés par rapport à de présent. Effectivement, on n'a pas de présent. Vous savez que Fillou Ndondo Boni n'a pas été membre dans ce gouvernement qui vient de passer, n'a pas été mandataire quelque Et part. vous Donc souhaitez participer il n'a pas aussi au l'argent. gouvernement, Jilly Toulouka. Il n'a pas l'argent, je disais, il n'a pas l'argent pour corrompre. Et déjà, nous, le Parti Orange, la corruption, c'est un antivaleur pour nous. Donc, nous ne soutenons pas la corruption et on ne va pas corrompre pour accéder à des postes de hautes responsabilités. Si c'était pour la corruption, nous serons déjà ailleurs. Vous comprenez, mesdames, messieurs, pour rappel, je reçois pour vous Évariste Tshiswaka, cadre du parti politique Orange, cher Fillou Ndondo Boni. Décryptons à présent l'actualité dans notre pays, le pays de Patrice Emery Lumumba, avec les différentes consultations entreprises par la première ministre Judith Toulouka. L'ensemble de la population imaginait que le travail avait déjà pris fin avec l'informateur Augustin Kabuya. Lorsqu'il a fait des consultations, la première partie acceptée par le chef de l'État, il a donné la seconde partie, des conclusions auprès du chef de l'État. Il y a eu nomination de Jilly Toulouka comme premier ministre au moment où la population attend la mise en place de ces gouvernements pour répondre à tant de problèmes qu'attendent ces gouvernements. Mais on voit Jilly Toulouka poursuivre avec des consultations. Pour quelle finalité, Évariste Tshiswaka? Merci, cher Maxime. La finalité est celle d'avoir un gouvernement des compétents, un gouvernement des hommes de qualité,
un gouvernement de patriotes, un gouvernement de travailleurs, de bosseurs. C'est ça la finalité. Mais seulement, je veux dire ici que parfois, nous sommes en train de faire passer inutilement le temps à la République. Vous vous rappellerez, j'étais sur ce plateau lorsqu'on avait confié la mission d'informateur au CG Kabuya. Personnellement, moi, je ne croyais pas en lui. Mais j'avais dit, les chefs de l'État... Par rapport à ses compétences. Par rapport à ses compétences, bien sûr, je l'avais dit sur ce plateau, je ne croyais pas qu'il était à la hauteur de faire efficacement cette mission qui lui était confiée par les chefs de l'État. Mais après, il a fait un mois pour faire la mission d'information. Il va amener les rapports, et les chefs de l'État vont lui dire, non, il faut rentrer, va faire, amène-moi la monture du gouvernement. Et il est allé travailler, il a fait la mission des formateurs du gouvernement. Oui. Pour amener au chef de l'État un rapport fignolé, un rapport bien travaillé pour nommer le gouvernement. Mais chose étonnante est que aujourd'hui, la Première ministre commence encore cette mission de consultation. Ça signifie directement que la mission de formation effectuée par les CG Kabuya n'était pas adéquate, n'était pas acceptée par les chefs. Là, il faut les comprendre dans ce sens-là. Alors, si la mission... C'était un travail raté de la part d'Augustin Kabuya pour, au regard de consultations entreprises par... Ce sont vos mots. Gilles Toulouka. Ce sont vos mots, mais moi, je dis que les chefs de l'État semblent ne pas être satisfaits par le travail effectué par les CG Kabuya. Parce qu'on lui avait confié la mission de formation. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il devait déjà mener... La monture du gouvernement. Et si aujourd'hui la première ministre continue encore avec des consultations, aujourd'hui il va consulter FIFI et les regroupements 4AC, les Ngobila ACP. Donc ça se laisse croire que la mission effectuée par les CG à son temps n'est pas satisfaisante. Et je crois que ce que va faire Madame Judith sera cette fois-ci pour la bonne. Cette fois-ci, il y a déjà la bonne. L'opinion qui se pose mille et une questions. Il faudra combien de consultations pour déboucher à la mise en place de ces gouvernements. On ose croire qu'après Gilles Toulouka, il y aura une autre personne qui risque de sortir pour procéder aussi à des consultations. Cher Maxime, comprenez que dès le départ, les pommes, c'est l'union sacrée. Nous sommes de l'union sacrée, mais je pense que les pommes, c'est au sein de l'union sacrée. Et les pommes, c'est quoi? Il y a beaucoup de partis au sein de l'union sacrée. Toute une panoplie de partis politiques. Voilà. Et chacun veut se retrouver quelque part. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est en train de violer? Il y a un combat des ambitions là au sein L'Assemblée nationale de l'union est en train sacrée. De violer la loi, les règlements intérieurs et la Constitution. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore un bureau définitif. Et je suivais ce matin qu'il y aura élection demain jeudi, demain mercredi 18. Oui, demain c'est mercredi, oui. Demain, ça sera... Mercredi. Ils vont justement cogiter pour savoir le membre ou fixer des dates pour l'élection. Donc c'est le jeudi. Jeudi le 18, il y aura élection du bureau définitif. Mais jusque-là, il n'y a pas encore les calendriers. Les calendriers viendront à la paix. Même les tickets de l'Union sacrée n'est pas encore connu. Il y a un véritable problème au sein de l'Union sacrée. Tout le monde veut être au perchoir de l'Assemblée nationale. Tout le monde veut être au perchoir du Sénat. Tout le monde veut être quelque part. Le problème, c'est à ce niveau-là. Et moi, je me dis, si nous pensons qu'on doit tous occuper de postes de responsabilité pour servir le pays, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'avais proposé dans l'une des émissions, si on veut trouver un commun accord au niveau de l'Union sacrée, il suffit de prendre Mbosso, de le placer bourgmestre à la commune de Kimbantse. Là, c'est très grave. S'il vous plaît, c'est ma proposition. Oui. C'est ma proposition. Je pense que ça va aider aussi les chefs de l'État. Mais parce que ce sont les trois personnes qui causent problème. Laisse-moi finir. Avant, s'il vous plaît. Avant d'en arriver, parce que vous avez déjà ouvert
la brèche sur le débat qui existe, problématique de la mise en place du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. On va évoquer cela avec le bureau définitif, même l'élection au niveau de l'Assemblée provinciale de, ville, de la ville de Kinshasa, dont l'élection est prévue pour ces samedi 20. Mais Évariste Chiswaka, est-ce qu'aujourd'hui, eu égard à ces retards constatés, parce qu'aujourd'hui on commence même à faire ces parallélismes avec le Sénégal où à l'aube justement de l'élection, il y a eu mise en place du gouvernement, le président a prêté serment, mais les choses sont en train d'être tirées à la longueur ici en République démocratique du Congo. Est-ce pour l'intérêt de cette population, l'intérêt général, ou ce sont les intérêts égoïstes de politiques qui font tarder les choses? Oh, monsieur Maxime, je crois en votre intelligence. Cette question, c'est la question que se posent aujourd'hui tous les Congolais. Est-ce la priorité? C'est l'intérêt d'abord de la population, ou bien nos amis, nos collègues, nos dirigeants se battent pour leurs propres intérêts? Partage de pouvoir. Et ça laisse la population dans l'inquiétude. Parce que si aujourd'hui la population est en train de constater que si on n'a pas encore un bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a guerre au sein de l'Union sacrée. Si on n'a pas encore le gouvernement, c'est parce qu'il y a guerre au sein de l'Union sacrée. Mais écoutez, avec plus de 500 partis dans l'Union sacrée, vous savez que tout le monde sera placé quelque part. Vous voulez quoi? Que nous ayons un gouvernement de plus de 500 membres? Ça serait impossible. Ça serait impossible. C'est pourquoi j'avais proposé, si on prenait le patriarche Mbosso, on le place bourgmestre à la commune de Kimanseke, on prend Vital Kamere, bourgmestre à la commune de Kalamu, on prend Bahati Lukwebo, on le place chez moi à Lemba. Ils ne vont pas servir la population. D'ailleurs, ils seront à la proximité de la population. Mais je vous dis, être bourgmestre, ça ne va pas servir la population. D'ailleurs, ils seraient en proximité avec la population. Ils pourront palper la réalité de la population. Peut-être quand ils sont au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne voient pas, ils ne vivent pas réellement ce que fait la population. Et si c'est pour l'intérêt du peuple que ces trois hommes acceptent d'aller travailler au niveau de nos communes, Vital nous verrons Kamere, qu'ils aiment réellement Vital ce pays. Vital Kamere, que vous avez cité les noms hier après être reçu par la première ministre, il a déclaré qu'ils ne sont pas là ou bien leurs échanges ne tournent pas pour dans le cadre de partage de pouvoir, mais partage des responsabilités. Il n'a pas voulu parler de partage de pouvoir, mais partage des responsabilités. Est-ce que vous voyez ça dans le... vous faites la même lecture que Vital Kamere sur le partage de responsabilités et non de pouvoir. Monsieur Maxime, c'est juste un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots. Partage des responsabilités, partage de pouvoir. Au final, c'est quoi? C'est partage des postes. Tel va être telle place. Pourquoi? Parce que lui pense qu'il mérite être là. Il n'a pas partage des responsabilités. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots, on peut comprendre ça comme ça. Mais seulement, écoutez, nous sommes dans l'Union sacrée, et cette Union sacrée, c'était pour les salut du peuple. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes restés dans cette philosophie de départ? Venons ensemble, travaillons pour les salut du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, nous sommes restés dans cette philosophie? C'est pourquoi j'invite nos pères à revenir à la pensée primaire de la création de l'Union sacrée. Écoutez, on a tout intérêt à faire réussir au chef de l'État ses mandats. On Parce a tout intérêt. C'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat constitutionnel. Mmh. On a le droit de lui faire réussir ses mandats. Parce qu'il ne faut pas qu'on le dise ici. Le chef de l'État avait dit au premier mandat que s'il n'arrivait pas à finir la guerre à l'Est, il aurait échoué son mandat. Le chef de l'État, en visite au Kasaï, il va dire aux Kasaïens, il est vrai, pardonnez-nous, on n'a pas réussi sur le plan social. Le chef de l'État, en pleine campagne, part à l'Est, à Kisangani, je crois, il va dire, je suis étonné d'être ovationné par un peuple meurtri. Mais écoutez, et avec tout ça,
l'amour de ses peuples qui se manifeste au-delà de souffrance. Mais les chefs de l'État lui-même s'étonnent qu'il est applaudi par un peuple souffrant. Et vous verrez sur vos plateaux, il y a des gens, soi-disant de l'Union Sacrée, qui passent chaque jour pour ovationner le chef de l'État. Et écoutez, le chef de l'État n'a pas besoin de tout ça. C'est l'hypocrisie. C'est chacun travaille, il veut être entendu. Mais écoutez, le chef de l'État ne veut pas tout ça. Et moi, je dis, après 5 ans, le chef de l'État ne sera pas là. Il y aura un autre Congolais qui sera à cette place. Et nous, si nous n'avons pas aidé la population congolaise, si on ne va pas parler pour l'intérêt de la population congolaise, qu'est-ce que notre part? C'est pourquoi le chef de l'État, je pense qu'il est très attentif et ne prête même plus oreille à tous ces hypocrites qui passent. Ils pensent qu'en louant le chef de l'État, en vantant même des choses que le chef de l'État lui-même condamne, le chef de l'État dit qu'il n'a pas réussi sur le plan social, mais il doit faire l'effort de réussir ce mandat ici. Nous étions tous au stade. Nous avons suivi le chef de l'État. Qui pouvait dire qu'on doit corriger les erreurs du passé? Donc il y avait des erreurs dans le premier mandat qui doivent être corrigées. Mais au lieu de s'attaquer à ces erreurs pour corriger ces erreurs, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des erreurs qui sont déjà planifiés. Très planifiés. Planifiés. Et tout ça, ça sera comptabilisé dans le bilan du chef de l'État. Écoutez. Alors, comment accorder le violon? Parce que les noms, ce sont les noms des ténors, notamment dans la mise en place du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale, les noms des ténors qui sont cités de votre regroupement ou plateforme politique, l'Union Sacrée. Il y a le nom de Mbosso, Vital Kamerhe, Modeste Bahati, qui veulent tous obtenir juste un poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Comment gérer les ambitions des uns et des autres au sein de votre plateforme politique? Parce qu'il faut avoir déjà une commission pour gérer les ambitions. En ce que je sache, il n'y a pas une commission au niveau de l'Union Sacrée qui gère les ambitions. Donc chacun est en train de prévaloir ses capacités. Et moi je dis, il faut parfois avoir la culture de la concession. Il faut concéder certaines choses. Parce que nous n'aurons pas 3 présidents de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aura au finish un seul président, un seul Congolais qui va diriger l'Assemblée nationale. Donc, on doit trouver un accord. Ça prend du temps. Et même les mamans maraîchères commencent à comprendre que l'Union Sacrée est en train de prendre du temps parce que nous ne sommes pas en mesure de désigner qui sera l'Assemblée nationale, qui sera au niveau du Sénat. Ça prend du temps. Et en tout ça, qu'est-ce que les Congolais n'ont à gagner? En tout ça, écoutez, nous sommes dans une situation très critique, nous sommes en situation de guerre. Mais apparemment, les choses se font comme si nous étions qui dans va une concéder situation à normale. L'autre? Qui va concéder à l'autre maintenant? La concession serait très Est-ce facile. Est-ce que le chef de l'État est pris à l'étau par rapport à cette situation? Il est le garant de la nation. Et il sera celui qui va rendre compte de la gestion de l'État pendant ces 5 ans. C'est pourquoi j'avais dit, comme il y a les 3 qui sont les ténors, on peut les écarter de la course. C'est la moindre des choses. On les écarte de la course, on va trouver d'autres Congolais, ça serait très facile. Et vous pensez que si aujourd'hui, il n'y a pas le patriarche Mbosso dans ce pays, il n'y a pas Vital Kamerhe, il n'y a pas Bahati Lukwebo, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être capable de diriger l'Assemblée nationale, vous croyez? Même au sein de l'Union Sacrée, je ne pense pas. Il y a des Congolais qui sont capables. Mais si ces 3 personnes n'arrivent pas à trouver un compromis, parce qu'ils sont ensemble dans une même famille politique qui est l'Union Sacrée, s'ils ne trouvent pas un compromis, je pense qu'ils ne sont pas utiles à la nation. Et là, je la cible. Le chef de l'État aussi, qui est l'autorité morale, doit peser de son poids pour accorder le violon au sein de la plateforme qu'il dirige. On risque de croire à l'anarchie qui règne au sein de cette plateforme politique. Vous savez, bien sûr, le chef de l'État doit faire quelque chose. Mais vous savez, naturellement, le chef de l'État, ce n'est pas un dictateur. Il laisse que cela soit géré au niveau de l'Union Sacrée. Et s'il n'arrive pas à trouver solution, je pense que ça va demander que le chef de l'État puisse réellement s'imposer.
je pèse bien le mot, s'imposer. Il doit s'imposer. Oui, il doit s'imposer pour qu'on puisse trouver qui pourra être à l'Assemblée nationale et qui doit être au Sénat. Aujourd'hui, le pays... Si possible, la solution que je propose au chef de l'État, on écarte les trois de la course. Et vous avez proposé qu'on les envoie là, certainement. Être de... C'est une proposition... De bourgmestre, de commune. Si le trois acceptait ma proposition, ça serait une véritable preuve qu'ils aiment la nation. C'est impossible qu'ils acceptent ta proposition. Bon, les Congolais vont conclure. Et qui sont leaders de partis politiques. Les Congolais, ceux qui nous suivent, vont conclure. De diriger les communes. Vous savez, pour servir la nation, il ne faut pas se mettre au président de la République. Pour servir la nation, il ne faut pas se mettre au premier ministre. On peut être cantonnier, mais on sert la nation. On peut être conseiller municipal, on sert la nation. On peut être bourgmestre. D'ailleurs, bourgmestre, écoutez, nous avons... Ces conseillers communaux réclament l'air de Molima. Ils ne voient pas l'air de Molima. C'est pas médiatisé. Je ne sais même pas si ce serait le gouvernement national ou bien provincial qui va s'en occuper. Mais écoutez, nous avons des communes. Vous voyez la commune de Kimansege. Elle peut être équivalente à des provinces ou encore à des États aux États-Unis. La commune de Kimansege. Oui, la commune de Kimansege seulement. Même de Maluku. Ah, voilà. Mais si on te place bourgmestre de la commune de Maluku, c'est 75% de la ville de Kinshasa. Tu peux gérer, tu peux te démontrer combien tu es capable. Tu peux nous créer une nouvelle ville là-bas, à Maluku. Avec quels moyens? Mais écoutez, le moyen, c'est que. Lorsque la subvention même du gouvernement central pose problème. Écoutez, pour, d'ailleurs, c'est un débat. De rétrocession. C'est un débat que j'allais ouvrir pour le futur bourgmestre. Il y a possibilité de créer. Parce que quand vous lisez dans la loi, ils ont reçu la rétrocession une seule fois. Non, ils peuvent créer. Mais comment ils s'achètent des maisons? Vous savez la rétrocession avec les salaires? De puissants de commerçants? De Ouillardise. Ce sont des commerçants? Non. Ils trouvent quand même assez de moyens pour s'acheter du véhicule, pour s'acheter quand même des maisons. C'est-à-dire, ils peuvent faire développer leur intelligence pour gérer le commune. Alors, c'est pourquoi je crois que si ceux qui sont de Bougoumès aujourd'hui ont échoué, mais quelqu'un comme Vital Kamerhe, il a une haute compétence. Il est tellement intelligent, il ne pourra pas échouer en tant que Bougoumès de la commune de Kalam. Il ne pourra pas échouer. Pour remplacer Bougoumès de la commune de Kalam. Est-ce que c'est une paille d'insulte vis-à-vis de ces personnes? Quand je dis ça, plusieurs vont me traiter de tous les mots, surtout les fanatiques. Les fanatiques de Kamerhe, les fanatiques de Mbosso, les fanatiques de Bahati vont me traiter de tout le monde. Mais c'est juste pour démontrer qu'ils peuvent servir la nation. S'ils veulent réellement servir la nation, même au niveau de la municipalités, ils peuvent bien servir la nation. D'ailleurs, ils seront très proches de la population congolaise. Et là, on verra réellement qu'ils aiment ce pays. Évariste Tshiswaka, on tend justement vers la fin de ces... ton entretien, mais j'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à l'élection de membres du bureau définitif au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Il y a tant de problèmes auxquels fait face la population kinoise. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe qui va succéder à l'équipe Godin Poy et tous ces mondes-là aura le soin de prendre à bras le corps le problème auquel est confrontée la population kinoise? Merci, cher Maxime. Vous savez, les députés provinciaux ont été votés parce qu'ils avaient un discours. Et plusieurs étalaient leur mission. Ils ont la mission de légiférer et de contrôler le gouvernement provincial. Je pense que c'est la mission principale des députés provinciaux. Si seulement ils travaillent dans cette optique, contrôler le gouvernement provincial et ne pas être de petits copains du gouverneur, je pense qu'ils pourront accomplir leur mission. Vous savez, quand il s'agit de contrôler, on ne peut pas être des amis. Écoutez, Maxime, peut-être tu es exemple, tu es mon ami et puis c'est toi qui dois me contrôler en même temps. Non. Et les gouverneurs, ils ont une mauvaise politique. C'est laquelle? Une fois élu gouverneur, il cherche à avoir les députés provinciaux dans sa poche pour ne pas être inquiété, pour ne pas être contrôlé. En cas d'exemple?
Mais je vous cite ce que se faisait. Il y avait une dynamique Ngobila. Dynamique Ngobila. Dynamique Ngobila au sein de l'Assemblée Donc, provinciale. Donc, l'Assemblée provinciale était une caisse de résonance Certainement. À l'exécutif provincial. Qu'est-ce que les Cunois retiendront de l'Assemblée provinciale dirigée par l'éminent professeur Godem Poy Labière? Qu'est-ce que les Cunois ont retenu de ces 5 ans passés? Donc, rien n'a été fait. Rien n'a marqué les Cunois. Est-ce qu'aujourd'hui, les députés provinciaux peuvent passer devant les Cunois et dire nous étions des députés provinciaux, voilà, nous avons fait ça, ça, ça? Ou bien poser la question. Vous êtes journaliste? Prenez votre micro. Allez poser la question aux Cunois. Est-ce que vous savez qu'il y avait des députés provinciaux? Oui. Ils ont fait quoi? Est-ce que vous voyez déjà un pas de démarcation avec la nouvelle législature au niveau de l'Assemblée provinciale? Écoutez, j'étais candidat député provincial. Je pense que vous le connaissez. Oui, oui. J'étais candidat député. Vous poursuivez la lutte malgré que vous n'avez pas été proclamé par la CENI. Effectivement, tu as dit le mot. Je n'ai pas été proclamé. J'ai été élu et non proclamé par la CENI. On était sur terrain. On avait un discours. Et si nous avons été votés massivement, c'est parce que on était à mesure de persuader les Congolais, de leur faire comprendre les rôles d'un député provincial. Ce n'est pas celui de soutenir les obsèques ou encore de partager l'argent ça et là, mais c'était d'abord de travailler pour l'intérêt des Kinshasa. Il n'est pas question d'enterrer les gens, le travail Les députés provinciaux ne sont pas des corbillards. Habitués à l'inhumation. Ne sont pas des corbillards. Pour chaque fois prendre des cadavres, aller enterrer, non. Ils ont une mission. Ils doivent travailler. La mission, c'est quoi? Aujourd'hui, nous voyons Kinshasa. Kinshasa dans quel état? Kinshasa poubelle. Kinshasa poubelle. Monsieur Maxime. Le chef de l'État. Prenez. Oh là là, voilà. Prenez la route Kabamba. Prenez la route Bokassa. Prenez la route Kassai. C'est à quel niveau? Mais écoutez, je me demande même pourquoi on doit payer la vignette dans ce pays, dans cette ville. Mais finalement, on est où? Et tout ça, les Cunois regardent. Dans les députés provinciaux, vous avez une lourde mission. Celui de contrôler le gouvernement provincial. Et regardez, aujourd'hui, nous vivons dans la poubelle. Dans la poubelle. Nous vivons dans la saleté. Et les gens meurent à cause de cette poubelle. Mais vous, qui êtes là, mandaté par la population, écoutez, aujourd'hui la population n'est pas dupe. Hein. On vous a donné la chance d'être là, et les autres, vous savez comment vous êtes arrivés là, mais au moins, ayez en vous l'amour de Kinshasa. Kinshasa, il n'y a plus de route en Kinshasa, il n'y a plus de route. Partout, c'est des nids de poules, partout, c'est des lacs d'eau. Donc, cette fois-ci, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vont jouer pleinement les rôles de contrôler l'exécutif et puis de faciliter la tâche même aux députés provinciaux de proposer leurs édits pour approbation. Et puis, lorsque ils remarquent que tel ministre provincial est dans les faux, on les sanctionne à travers des motions de défiance qui parfois sont rejetées et placées même dans le tiroir. Bon, les motions de défiance qui sont parfois achetées, c'est ça aussi le problème. Monnayage de motions de défiance. Cette fois-ci, je pense que vous n'aurez pas trompé la population. La population congolaise, quinoise, vous regarde en face. La population, vous savez, nous sommes à notre, c'était notre 4e élection. Petit à petit, la population a compris que c'est quoi les rôles d'un député provincial. C'est pourquoi je disais, il faut qu'il y ait aussi des lois, on doit changer notre loi. La population doit être à mesure de désavouer un élu provincial. Je dis par exemple, à Lemba, il y a Peter Kazadi, il y a la grande sœur de celui de l'ACP qu'on avait attrapé. La grande sœur de Ngobila. Non, la grande sœur de celui qu'on avait attrapé tricher là. C'était Charles Mboutamout. Oui, oui. Il y a sa grande sœur qui était aussi élue. Et si la population de Lemba, nos amis de Lemba, constatent qu'en Kinshasa, rien ne s'est fait et que ceux qui les représentent ne sont pas à la hauteur, je pense qu'on doit modifier notre loi
pour que la population soit en mesure d'initier une pétition pour destituer désavouer un député élu. Je pense que là, ça va aussi mettre en alerte le député pour qu'il travaille pour l'intérêt du peuple. Évariste Chiswaka, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que la population qui vous suit à l'intérieur, l'ensemble de notre pays, même à l'étranger, à travers notre page YouTube, cette viralique officielle, peut retenir en gros de tout ce qui a été dit? Avant d'y arriver, je voulais quand même demander à la population congolaise en général et la population quinoise en particulier. Vous savez, le chef de l'État nous veut un peuple déterminé et exigeant. Pas seulement à l'endroit du chef de l'État, mais à l'endroit de toutes les autorités. Nous devons être très exigeants. Ils ne sont pas là par complaisance, mais ils doivent travailler. On doit pousser nos dirigeants à travailler. Moi qui vous parle, je suis de l'Union sacrée. Mais je me dis, nous sommes Union sacrée parce que le Congo existe. Nous sommes Union sacrée parce qu'il y a un peuple qu'il faut diriger. Et si aujourd'hui le peuple n'existe pas, nous dirigerons qui? Nous ne serons pas Union sacrée en train de voir le peuple mourir de faim. Et la population doit être exigeante à l'endroit des autorités. Par rapport à ces mandats, on doit être exigeant. Exigeant. Vraiment exigeant. Vous imaginez que si cela s'avère vrai,